Bonjour tout le monde, c'est Big Team, comment allez-vous? Voilà, première vidéo. Donc avant d'attaquer cette vidéo, je vais vous expliquer le principe de ma chaîne. Elle va être en trois parties. La première partie, ce sera sur les jeux vidéo que j'ai envie de vous montrer ou de partager avec vous. La seconde, ce sera sur l'univers Disney, que ce soit dessin animé, les films ou le parc. Grand garçon, esprit d'enfant. Et la troisième partie, ce sera sur ma nouvelle collection, que je ne vais pas vous dévoiler tout de suite, mais vous allez comprendre assez vite. Donc, allez, assez parlé, c'est parti. Là, je vais vous dévoiler maintenant, à quoi correspond ma nouvelle collection. Elle va être sur les Funko Pop. Ces petites figurines ont été créées en octobre 98 aux États-Unis ou 98. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Comme vous savez, il y a un film qui est sorti de Disney il y a pas longtemps, qui est Le Roi Lion, dont le dessin animé qui date des années 90, 90. Donc voilà, j'ai voulu commencer cette collection avec quelques figurines du Roi Lion, dont la première que je vais vous montrer, évidemment, on va commencer par le futur roi, hein, qui est Simba. Donc comme ça, je vais vous la montrer aussi, et puis je vais vous la déballer. Et vous pouvez voir qu'il y en a plusieurs. Donc voilà. Hop, on va les déballer gentiment. Alors si jamais... Celles que j'ai prises, c'est celles qui sont du dessin animé. Vous en avez aussi qui sont un peu plus réalistes, qui est tiré du film, du live action. Donc voilà, on va commencer par le petit Simba. Voilà, je vais vous le montrer. Voilà le petit Simba avec sa petite larve, qui est vraiment joli. Disney aussi, avec toujours sur le Roi Lion, avec Timon, Louis Timon. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Alors, je vais vous la déballer. Alors, si jamais ça est toujours dans le style dessin animé, mais vous avez plusieurs encore. Vous avez aussi Mufasa, Nala, Zazu, Rafiki. Je sais que dans la partie, vous avez aussi Scar et les hyènes, si je ne me trompe pas. Alors, le petit Timon. Ah là, le petit Timon Louah, qui est sympathique aussi, là. Voilà. Avec sa petite robe vaînée. Elles sont vraiment sympathiques, elles sont jolies, elles sont bien faites. Avec leur petit corps et leur grosse tête. Mais elles sont vraiment bien finies. Ce sera plus sur l'univers Disney, mais ce sera sur un animé que beaucoup de gens connaissent, qui est One Piece. Alors non, ce n'est pas Luffy, parce que à première vue, il y en a beaucoup qui sont en rupture de stock. Donc c'est Tony Chopper. Voilà, le petit Tony Chopper. Là, comme ça, vous pouvez le voir. Là, alors je vais vous le déballer aussi. Comme ça, vous allez le voir. Tout gentiment. Parce que voilà, si vous voulez une fois les revendre, si vous faites aussi la collection, vous voulez les revendre, gardez précieusement les boîtes. Déjà dedans, si c'est des boîtes d'origine, vos Funko sont rares, vous pouvez les revendre un peu plus cher. Ou enfin, vous pouvez les revendre au prix où vous les avez achetés sans perdre de sous. Alors voilà, en train de déballer le petit Tony. Et voilà le petit Tony Chopper avec son petit sac. Voilà. Alors dans la collection One Piece, évidemment, hein, vous avez Chopper, mais vous avez aussi Usopp, Nami. Zoro, vous avez Franky,
L'eau, je pense qu'il y en a encore bien d'autres, mais je ne les connais pas tous. Donc, je pense que par la suite, on en aura d'autres encore. Et après, alors, pour la dernière que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est sur un jeu vidéo que j'apprécie, enfin que je vais vous montrer aussi en vidéo, qui fait partie justement de ma chaîne. C'est sur Kingdom Hearts. Voilà. Alors ça, c'est sur Kingdom Hearts, c'est le premier, c'est Sora. Là, comme vous pouvez voir. Alors si jamais les vidéos que je ferai sur le jeu vidéo, ce sera pas sur le premier Kingdom Hearts, mais ce sera sur le Kingdom Hearts 3. Vu qu'en même temps, ça allie deux phases de la chaîne, qui est le monde de Disney plus les jeux vidéo. Donc en même temps, on allie les deux. En même temps, c'est pas mal. Alors, je vais déjà vous déballer celle-là, comme ça vous pourrez voir. Hop. Et aussi sur les Kingdom Hearts, vous en avez plusieurs, hein. Il n'y a pas que Sora. Vous avez déjà celles-ci qui sont là derrière. Donc, qui a Riku. Vous avez encore Mickey aussi. Vous avez Kerry aussi. Donc voilà. Alors, déjà déballé le petit Sora. Et voilà, Sora, comment il est. Voilà. Avec évidemment son épée et puis sur sa chaîne le petit logo Mickey. Voilà. Alors voilà, ça c'était mes quatre premières Funko Pop qui démarrent cette nouvelle collection. Je vous rassure, il y en aura plusieurs parce que je vais en commander d'autres et je vous les présenterai à fur et à mesure. Après, si vous avez des commentaires par rapport à cette vidéo, vous pouvez les mettre, que ce soit du négatif ou du positif. Tout ce qui est négatif est bon à prendre pour s'améliorer. Et si c'est positif, bah tant mieux, ça fait plaisir. Donc si jamais vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Donc voilà. Donc je pense que la prochaine vidéo, ça sera soit aussi sur des Funko Pop, soit bah, ça sera sur une autre partie. Je pense sur le jeu vidéo. Donc voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.